On va directement passer à une petite intro provocante. Je vais vous passer une vidéo de la ministre belge des Affaires étrangères interpellée au Parlement belge à propos de l'Ukraine et qui va nous définir l'OTAN. Puis vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord avec elle et on va demander ensuite l'avis de Bruno. À tout de suite. L'OTAN, je le rappelle, est une alliance défensive. Madame la ministre, Robert Gates, ancien directeur adjoint de la CIA, je cite, à une époque de grande humiliation et de la difficulté pour la Russie, continuer l'expansion vers l'est de l'OTAN alors que l'on a amené Gorbatchev et d'autres à croire que ça n'arriverait pas, en tout cas à court terme, a probablement aggravé la relation entre les USA et la Russie et rendu beaucoup plus difficile de faire des affaires de façon constructive. Madame la ministre, je suis vraiment surpris par votre réponse. Les Américains même reconnaissent leur responsabilité dans les tensions actuelles, et vous, vous refusez de le voir. Vous nous dites que l'OTAN, ce n'est pas, c'est pour des raisons défensives. Mais arrêtons. L'Afghanistan, la Libye, c'est défensif, ça? Aller détruire des pays, c'est défensif? Mais arrêtons. Aujourd'hui, l'OTAN, c'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Il faut l'entendre. C'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Les Américains, avec leur politique impérialiste, représentent la plus grande menace. Et nous, on doit se dissocier de cette... Voilà. Et donc, Madame Wilmès, qui a été Premier ministre belge durant l'affaire du Covid, mais c'est une autre histoire, déclare ici, je rappelle, comme si on était des abrutis, que l'OTAN est une alliance défensive. Qu'en penses-tu, Bruno? Nous sommes des abrutis? Ah, certainement, puisque on veut nous faire croire effectivement que l'OTAN est une association philanthropique vouée à restaurer la paix dans le monde. Alors, c'était une alliance défensive sur le papier lors de sa création en 1949, puisqu'il s'agit, c'était du moins le discours officiel, de faire face à la menace soviétique. Bon. On ne va pas refaire l'histoire de l'OTAN à cette période, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où l'Union soviétique a disparu, comme on le sait en 1991, il n'y avait pas de raison pour que l'OTAN demeure. Or, ce qui s'est passé, c'est que l'OTAN a été maintenue, non plus comme une alliance défensive visant à faire pièce à la menace soviétique, puisque l'URSS n'existait plus, mais pour, à mon avis, jouer le rôle de structure d'enrôlement, hein, d'instance, d'assujettissement, en fait, de tous les États membres dont l'OTAN prétendait assumer la sécurité, mais en réalité servait à les enrôler au nom d'une nouvelle croisade, non plus contre l'Union soviétique qui avait disparu, mais contre de nouvelles menaces. Et il est évident, parce que l'extension inconsidérée de l'OTAN aux frontières de la Russie l'a montré, que cette nouvelle menace, c'était la Russie, qu'on a continué de considérer comme l'adversaire naturel du monde occidental, alors même que la Russie, à partir du début des années 90, n'a évidemment, encore moins qu'avant, aucune velléité agressive à l'égard du monde occidental. Donc non, l'OTAN n'est pas une alliance défensive, elle est devenue une alliance offensive à partir du moment où elle a subi une véritable mutation dans les années 90, le point d'orgue de cette mutation étant, à mon avis, la guerre illégale menée contre la Yougoslavie et la Serbie en 1995 puis en 1999.